pour terminer en apothéose le but de M. Vostovoy. Le ballon glissé pour Vostovoy qui marque de l'intérieur du pied droit. But superbe d'Alexandre Vostovoy qui marque son 5e but en Coupe d'Europe. Quel talent ce Vostovoy, quel génie, fabuleux. Et Strasbourg gronde à l'image de ce relais entre Régis et Vostovoy. Vostovoy dans la surface, frappe du gauche. 3-2 pour Strasbourg, extraordinaire. Premier match pour Vostovoy, premier but. But inscrit à l'aide du poteau et un but qui ne laisse pas indifférent le public de la Méno. Ovation à Vostovoy, le public est debout. Le petit prince Vostovoy offre là une victoire 3-2 à Strasbourg. L'arrivée du prince Vostovoy coïncide avec une victoire, la deuxième à domicile pour Strasbourg. Dans cette première période, car Xavier Gravelaine est dans un grand jour. 1-2 avec Vostovoy, l'ancien parisien dans la surface, frappe et marque pour la quatrième fois dans cette rencontre. Durant 5 minutes, 4-0, les Strasbourgeois sont ivres de bonheur. Le tempo est donné côté alsacien, Strasbourg de nouveau à l'attaque et un nouveau ballon en profondeur à destination de Vostovoy qui part tout seul dans la surface. Le centre, non, petit côté, Kassar est battu et ouverture du score ici après seulement 20 minutes dans cette rencontre. Le plat du pied du Russe qui a fait le bon choix et voilà Strasbourg qui est donc 1-0. Attention ici à Gravelaine qui s'échappe et repique au centre. Et sert Vostovoy qui accompagne parfaitement de nouveau les Russes. Un ballon qui rentre pour la troisième fois au fond des buts de Stéphane Kassar en l'espace de 12 minutes. Pratiquement du 100% de réussite pour les Strasbourgeois. 3-0 ici à la Méno. Vostovoy qui s'offre son premier but de la saison après seulement une demi-heure de jeu dans ses rangs. Dacour essaye de faire la différence avec Vostovoy sur le poteau. Reprise de Poulika et but. Yvon Poulika du pied gauche. Oh, c'est superbe les Strasbourgeois. La glissade. Card qui essaye de renouer tout le public de la Méno et qui y parvient. Strasbourg mène 1-0. Pour terminer en apothéose, le but de M. Vostovoy. Le voici, ce but de Vostovoy. 2-0 et le Racing qui flirte à nouveau avec l'Europe. Il y aura mardi un match aller à Innsbruck contre ce FC Tirol que le Racing a déjà battu 4-0 à la Méno. Strasbourg continue de récupérer tous les ballons. Remonte de Vostovoy qui s'avance encore une fois avant de lancer Keller dans Max. Keller élimine Rebaud et ouvre le score. 1-0 pour Strasbourg. Vostovoy avec Sauzé, puis Itelli. Le ballon circule bien. Centre de Zitelli vers Patlikl qui remet à Vostovoy au deuxième but pour Strasbourg. Cette circulation du ballon a laissé de marbre les arbitres. Cela profite à Patlikl pour fournir à Vostovoy l'occasion d'une belle tête plongeante. Vostovoy. Oh là. Vostovoy qui poursuit. Vostovoy qui centre. Sauzé au poteau qui marque. 8e but de Franck Sauzé dans cette coupe, dans cette tour préliminaire, et le Racing qui mène 1-0 grâce encore à Franck Sauzé. Il a levé la tête, Vostovoy, qui ne va pas financer, si, il préfère encrocher, y aller, il tire, il marque. Oh là là. But superbe d'Alexandre Vostovoy, qui marque son 5e but en Coupe d'Europe. Il a marqué déjà une fois au championnat, quel talent ce Vostovoy, quel génie, fabuleux. 3 pour Strasbourg. Vostovoy, côté gauche. Vostovoy qui s'enfonce et qui vient tromper Andurovic. Strasbourg 3, Rennes 0. Et comme lors de ses deux premiers déplacements, Rennes encaisse 3 buts. Encore ce côté droit, toujours seul à Strasbourg et encore Philippe Racheteux.
Mostovoy complètement démarqué qui ouvre ce pied droit pour inscrire son cinquième but de la saison. Les Verts sont complètement asphyxiés. Ici, à deux minutes de la fin, un contre de Batic qui vient d'entrer en jeu. Le ballon glissé pour Mostovoy qui marque de l'intérieur du pied droit. Sixième but du Russe, mais surtout, deuxième victoire à l'extérieur de Strasbourg. Zitelli que l'on trouve dans une défense lilloise dépassée par les événements. Zitelli pour Mostovoy, tranquillement, 2-0 pour Strasbourg. Lille baissé et crampé. Mostovoy, et ce n'est peut-être pas du grand football qui est servi ce soir, mais chaque action peut être très dangereuse. On est à